Waza les mateurs, Djadjof Samagay, welcome to the Mat My Video. Donc aujourd'hui, exclusivité, c'était pas prévu, mais comme d'habitude, rek, première saison clash, c'est ma intervention Tibir. Donc il le fallait encore, mon yoati, deuxième saison, quoi. Vraiment. Donc on va parler du clash qui se passe actuellement, mais balalol non, j'ai un message solennel à vous faire passer, quoi. Message vraiment, ça m'a fait la côte, voilà. Donc, bep nit bo xamné mo ngi évoluer ci ben bir day ñaan yalla mu ci gis ay certification ay reconnaissance ci liguey bu muy def. Donc depuis l'année passée dañ ma nominé won dans le Pulse Awards, xam nga ma dem fof c'est pas youtubeur de l'année lañ ma nominé won et tout, xam nga ma dem fof assister ko mu am kuko gagné fatina sax kan moko gagné. Donc cette année encore ils ont récidivé, dañ ma nominé wat encore ci catégorie influenceur youtube de l'année. Donc malin di ñana amna 117000 comme 118000 abonnés fi ci YouTube bi, Instagram 180000, TikTok 400000, xam chiffre yep japp na ni do ay robot quoi, ay doomu adama la, ay nit lañ. Donc yeen ñepp bo leen defé effort bu ndaw, ne serait-ce que duggu ci lien bu ma leen di afficher ni ak ci description bi première ligne bi bo leen ko cliquer rek site bi ya rien de difficile, www.pulse.sn, directement mu rediriger leen ci ci sama ci ki bi lien bi sama tour mo ngi fof en deuxième position, gen cocher ko gen beus voter lol bo len ko defé rek peut-être dina am chance année bi ma gagner ko quoi vraiment. Donc ma ngi len ci sogn, ça va pas vous prendre beaucoup de temps, sama bio Instagram ak TikTok binna lien bi fof tamit gen dem fof, vous allez trouver ça, gen cliquer dou len coûter dara, voilà. Donc on finit sur cette parenthèse là, ñu song sujet bi. Donc man damay chaque fois suma expliquer e clash dama joxe historique bi quoi, dama arrière fa mu gëna sori. Donc buñu xolé première saison bi ma teunk len ko rek nu mu démé won, c'était entre Ngaka ak Lou Brick. Donc amone antécédent xam nga ay bar gauche à droite ba ñu léral ko gaay dugg ci cioli carrément ñi génn effet yi may bar Ngaka mu ne ya joxé won xar fi affaire yoy non tout ça ren xam nga affaire yoy non soit gis ci bopam ñep xamni mom la, mais c'était pas attendu que baba dina tonte. Mu ñëw lendemain xam nga 24 heures non boum mu génné effet secondaire, voilà. Donc fofu la affaire bi déparé gaay sobu carrément ci clash yi sur lendemain encore gaay door et back to back quoi vraiment. Duma wax tamit ci fond musical bi mais histoire mu démé won la rek door fayu ba kérok nga ka jéxal ko le 29 septembre ak 20 heures hein. Mom la mujjé won génné, après on a plus entendu parler du clash apparemment. Ñu fogg ni affaire bi jamm delu sina parce que gis nañ Ngaka bamu jugé Paris ñeu xam amna mu waxé wa ak Lou Brick amna ñu waxé, donc nga xamné amul animosité amul dara lo xamné dafa ñaaw quoi mën na ko wax. Donc c'était un clash bo xamné ku nek yaangi do marketing yaangi do jema yégal sa audience et tout ça mën na ko catégoriser ci entertainment quoi, ils ont fait juste ça pour mën gaay di ciow di wax ci ñom. Donc gis nañ par rapport ak lool non buñu paré ak Lou Brick. Je vais en venir hein fo ñu tolni dama top juste le procédé ak Lou Brick dafa génné ben projet bu tuddu Raps Royce, xam audience bi taxaw na, ils ont fait quelques petits singles de gauche à droite ñu ñëw ci Raps Royce. Kérok nak gis na ben commentaire Instagram ben gène duma né kérok sax sank la ben gène mu né man numay dalé wa ak Lou Brick xam doko nakari quoi ci façon bu ñu musiquer wala tout ça. Donc on va faire une analyse pertinente quoi, man je suis très objectif ci limay wax ni ak Lou Brick dalen sétlu enchaînement sen sorti quoi ci yene thématique lañuy guéné tout le temps, ils essaient d'atteindre stable TikTok bi tout le temps, genre ben priorité la ci ñom quoi, son buñu mënti def rek TikTok bi lañuy miser quoi, jëmuñu def son bo xamné vraiment ça va day don ben classique may waja def ben son ci les classiques du hip hop galsen, mais mëno lim ben son ak Lou Brick bo xamné dess na ci culture hip hop galsen ñu les classiques ak Lou Brick la vraiment, su du les son love c'est les son TikTok. Voilà, wax nañ sen Raps Royce bi communication buñ ci jallalé ñu né 100% rap, man dé gisuma fa 100% rap son buñu def ci piscine bi xalé jigéen yoy non budé lool moy rap vraiment man dina ma jaxal. Donc ñom ils trahi même sen conscience quoi, ñom lañu wax ñun ko jëfé. Donc c'est juste une parenthèse quoi, man suma duré nit rek par rapport ak muy proposer. Donc bo xolé de l'autre côté Ngaka blendé ma ngi jakarlo chaîne YouTube am ni, voilà, ici faru ñu kenn, on s'en fout li jëndé wuñu ki gaay buñu def lu dul yoon dañ koy wax. Ngaka bamu joge ci vainqueur ba moy fin clash bi ñëw na ci ku ñëmé do leen mëne son gil drill la xam nga jëm na expérimenter benen style benen univers tout ça, beaucoup de gens n'ont pas compris son bi
Mais au moins, d'où son TikTok, d'où son bugel, okay. Genre Ego Triple, rap na chi, def na affaire. Côté imagerie, bi, amna lumu jem indi. Il s'est un peu inspiré du clip où Tupac California Love, mou def na Dr. Dre chi, al bi. Si sou bouchon kebe, tout ça. Donc, il y a de la recherche, il y a de l'idée, quoi, on peut dire. Nyon na chi kitoko, wa, lo son ou ete, tout ça, on peut kini, rafet lou nanko, mou nanko. Mou nanko, son jigen aussi, pou mou def ak wan. Son bon moum, j'ai vraiment kiffé, quoi. Parce que affaire de qui de la femme yo linko guéné et tout ça, donc il y a du travail quoi. T'es le concerné comme ñu wax ni moy wan lyrical ñom ñaan ñu def son bi ak Sidi Diop, voilà. Donc tu te poses des questions que comment on a fait pour en arriver là quoi. Donc moi wan déjà c'est un rapport est nice qu'est-ce là, parce que mon allen fatali ci projet secret 7 bi amno son wan ak blende invité nako moy OIS bi gis ngeen ko dengue presse sur scène xam nga. Alchimie bi c'est ñom ñaar musul am genre animosité, même gars que bumu bala mu duggu djel xom bumu inviter rappeur yi bari ñi def son bi wan mo ngi ci won. Donc ils ont de très bons rapports. Donc ensemble, si tu te poses des questions ñom lan lañu wara joté té dina ci ñew, tu te poses des questions quoi, da ngay nane fan le problème bi jugé, voilà, est-ce que combine là et tout ça dina ci revenir. Donc cette collaboration rafet na soit def na keur baba moy émission bu mu def mu invité won lyrical gars tassé nañ plateau 2S ñu waxtaan ba nga kan mu né moko may jabaré tout ça affaire bi rafet quoi, am ben rapport bu familial bu ñu am ñom ñaar. Donc nga ka may top chronologie ba légui bu mu ñué mu indi no late 1 bi bu mu ko indi il y a 2 semaines, donc bien avant magal gi la mu ñëw teul rek indi kagul bi no late gars comprendre ñu ci bi son bi mu may bar wax lu brik manam dafa bëgg dékilat problème bi mu no expliquer au tout début mu bëgg indi wat problème encore. Donc ak lu brik c'était évident gars xaar réponse bi parce que gars namb nañ action bu ñu don dund période beulé un an après ça bëgg ko ci tégat gars bind juste may la ñu après magal ñëw magal instant passé na ça fait 2 semaines xawma ça date ba légui suñu dara. Donc wan fofu le profito mu indi clipam quoi vraiment. Ce clip, intro, projet Demna. Déjà, il fait la promotion de son projet. Donc, on a brièvement sa carrière. Mon dernier projet, mon gars, Jabardi, Lena, a eu succès. Il a eu de bons singles, de bons sons et tout ça. Mais one côté rap, mon qu'est-ce quoi? Bob Lenny, non, genre, gars, Tarkinda, c'est bien et tout ça. Les gars, des noirs, one. Papa wan quoi mu ñëk bi jamono potentiel jamono xam capitaine Zimbabwe yoy non est-ce que mën nañ ko amat parce que c'est trop commercialisé aussi. Donc mu ñëw bango dafa wacc tak di shout out bi flag ci imagerie bi xam tout ça tout le travail derrière nice na. Mais lu gëna interpeller gaay ñaari bar la mom bu mu né duñ la tuddu comme abi ci août xam bu mu wax mois de août ah bi do ko prononcer donné août da nga nan août. Donc kan lay waxal fofu quoi peut-être gars meun nañ ko xalat non ban rapport le tourum commencer a et tout ça meun na matrixer ku nek man japp na ko ego trip peut-être mom le concerné peut-être amna ben subliminal bu mu don djema ki ci bir on va jamais savoir peut-être dina ko expliquer. Mais fan la affaire bi léré moy fu mu waxé fok king bi fok wi prétend nek king bi après mu wax li ci dess quoi mom moy bandi from Pekin, voilà. Donc cargué fofu la léré par la suite ñu gis nga ka mu réagir mu non def tek de baña ki mais xamna ni ki c'est un challenger à la hauteur nga ka ak wan ak luñu dundu yépp ak tout ça mu ñow tay ji mu wax lool non. Donc gaga il est rentré dans ce jeu là parce que soit vous len faté de communiquer ci projet bu mu wara génné annoncer nako quoi. Donc il sait tout est chaque détail compte lutax mu def lol mu nonna def son bi mu baña préciser ni de guéné projet tout ça mu baña def bar bi ça va passer inaperçu. Donc il faut mu créer ben affaire ci bi ben xorom pour gars réagir. Donc limu bëggone amna ko nga ka réagir na ñep di xaar 24 heures soit guéné soit tok 72 heures ci digënté bob non yep ku nekk di wax xam page ñep di ci wax ba tay ji sank xam jamais même pas prévu de faire cette vidéo ma gis ni mu guéné nole 3 voilà. Donc nole 3 bu mu ko déglu franchement dama len ko neub j'ai eu une petite déception quoi par rapport ak choix au bit bi parce que soit ci rappeler le ki quoi mais nga il va utiliser la même recette bu mu utiliser nak wa akhlu brik pour meuna tondu ci clash bi. Mais man analyse bi may am quoi ça va être un peu plus profond que ça. Man je pense que nga ka ya deux nga ka duma né duma wax comme Gucci Mane bu mu duggé prison moy rappeur américain bi bu mu guen ñu né dañ ko cloner parce qu'il a changé nga ka bu mu duggé jël ba guen
benen gaak ak gis gis appellation sax dafa créer sax ben aka bu bes mi king baba man jamono ji ci man gaak bu ñëk bi dess na prison quoi insbi alter ego gaak moy nek di def ni kok non mo fi génné ay varak kok non mo fi génné ay son yu commercial xam yu rambaxé tout ça donc on reconnaît plus le gaak rappeur quoi carrément son bi lyricalement c'est trop léger ben aspect mo ci nek moy refrain bi kaño bi amna sax barbu mu def ci yo fosco rek ngay jouer après mu wax fay waxu ñak xorom nga ka vraiment sama gën nga man dama lay conseiller tout ça mais il y a un problème côté lyrical quoi xawma bindo xawma jëlo ce temps assez ce temps pour def son bi mais ci man c'est trop léger côté lyrical parce que wan ajna bar bi def na figure def na rime xawma kiké na def na affaire mais yo son bi da nga non fo da nga non fo carrément xawma la public ou boy 10 ans et 11 ans et mère pa nga bëgg xamna ding ko am parce que son bi dina viral ni en 3 heures de temps 100 000 vues application YouTube sax dafa bëgge donc ça montre que nit ñepp ñu ngi koy déglouer tout ça quoi mais à quel prix moi c'est ça ma question rap est-ce que buñu yagé ci bu yag dans quelques années lool la doon def ñu waxtaan ak ñom Ouski le Pop Boss est-ce que rap dina continuer am parce que clash bu démé ba am niveau rambax tamay di saf di shout out ma nigue momo bit mo teug bit bi néna ko bit fièvre né tout ça xam moy tout ça et tout mais man ma ngi no xaar ben boom bep wala ben trap wala ben affaire mais tamay xam affaire yoy non rambaxé bi xam fetchi gaay di def lu len neex lu len saf ci son bi vraiment man je me pose la question mais rabbi est-ce que nekul di essoufflé ou di dé il y a un problème quoi vraiment à ce niveau donc aux dernières nouvelles wan mo ngi studio si nga ka lu mu wax mo ne studio Brill voilà et aussi Brill man il y a quelque chose qui me dérange quoi Brill comment tu peux clash bi yow yaay fait pourquoi yaay mixer ki yaay prisel ki xam nga kon amna ben réseau bu daw sen bir quoi donc affaire bi dal véracité au clash bi amna dal lu ci xaw xajam quoi ci man amna lu xaw dess vraiment parce que c'est les mêmes équipes les mêmes réalisateurs bi flak mo clipper nga ka non la meune clipper wan Chadik mën na def ni tamit dem clipal ki ak xam ay affaire ci waji diko wax kele problème bob jot nañ ko wax ci premier partie clash bi donc clash bi commencé na bizarre dal man à l'époque man xamna ben grand frère ngeen may jappale ben dromadaire wala ben dinosaure vraiment à l'époque kana bass nit dof dem plateau TFM wax ñun duñu ay nafiq ñun duñu wax ay sani xer affaire ñu xamni kana bass la wax kana bass xey dimanche bi tac jël bitu drek bi def ko son clash nit dof ci saasi affaire bi metti affaire bi deggu carnaval dem concert saint louis bu nit dof fekk ci kaw scène bi bu ma ko gën mu wad ñu xamni li vrai la quoi li du combine du affaire de buzz du marketing affaire c'est des choses personnelles des amni ay gis gis yu wuté la quoi xam nit ñi mënu ñu d'accord ci même état d'esprit bi yow mën nga gëm li ki gëm lé tout ça donc lool ben parenthèse la mais amna benen point aussi quoi bu xamné vraiment ça m'énerve au plus au niveau quoi ça m'énerve lol non moy le fait que rappeur yi di jaxasso ak animateur malakh yek et tout ça ñom ils préfèrent mille fois ben artiste magi wala yu ndaw yi sax ñom ñep ñow ci bokk yam être invité par ben khacha je vais dire non wala ben aba xam nga ñoñ c'est pas des animateurs hip hop donc gars ñom parce que lan ñoñ am nañ audience ils sont connus tout ça peut-être mu neñ ko yok visibilité et tout ñu ngi gis ni clash bi ni depuis bu mu commencé aba mo ci wax et khacha et kenen ak kenen les acteurs même du hip hop sont même pas concernés ci affaire bi jox genre ils ont même pas le mot à dire quoi parce que ñele lañu gëna déglu quoi donc c'est devenu un truc folklorique et tout or que rap bi culture la dekk bo dem le rap on donne le respect aux ño xamné ils gravitent autour de cette culture là ay YD ngi fi et Pape Sidy Fall ngi fi et kenen ak kenen ba ci émission hip hop ci télé bi ya qu'une seule émission hip hop à ma connaissance moy Arumed moy Daw 2STV TFM gisuma fa émission hip hop autant amon nako Sen TV amoutou donc il y a un problème à ce niveau là ñu ñi nek ci internet bi di wax comme entre guillemets ni ngeen lay woyé chroniqueur waaw ñi wax ci hip hop une deux gën sani bar one sani na ben bar je me suis senti visé parce que buñu waxé ci ben secteur tu es dedans tu te sens visé donc mu né chroniqueur bu duñu wax deug buñu né non lak ñu ñëpay lak quoi kon barbecue bu ngand mo am parce que ñi wax ci ki bi bari nañ je vais rejoindre un peu Malation le mi wax quoi ci walum interprétation moi je suis pas trop dans les trucs de déchiffrer ay lyrics yi ki li la wax wala li ak lé c'est pas trop mon truc donc
nit bo xamné day interpréter ce son amna ci droit mon point de vue la bind nga ba paré légui Massamba mën na ko dégé ni Mademba mën na ko dégé ni mën na joom comme mën na ko djégé mën na wax la vérité aussi donc c'est pas une raison gën sikkel chroniqueur wala gars xamné dañuy wax ci rap quoi vraiment ça buñu wax ci chroniqueur man may taxaw di len défendre parce que je suis dans cette culture là ma ci bir donc da ngay xol clash type ak kene amzo dollar c'est le dernier vrai clash qui puisse exister quoi c'est la fin d'une ère depuis clash bob non on n'a que des clashs de bas niveau mon avoir parce que gisoguma rap rapologiquement parlant ben rap bo xamné ça va rester dans les annales quoi bo deglo lo fok damay arrière rek lo fok bu kahna bass lo mëna né classique la ci rap quoi de melni it dem all bu Tupac bi parce que bob dafa saf rap xam nga wax gars bu len tassé ngeen régler sen compte soit da ngeen di noxanté wala ngeen vous faites la paix voilà donc affaire bi véracité bi ak rap quoi rap lañu wax man tout le temps da ngeen wax man ku sof la parce que tout le temps damay critiquer rambax be tout ça moy lol son yi ben côté de len di gérer sen facture et tout ça ça passe en boîte xam c'est accessible à tout le monde xamna yeen ngi sen droit da ngeen di fayé ko da ngeen def sen son rémunération YouTube streaming et tout xam yeen ngi sen droit mais ben yone quoi mais tout le temps gën bëgg ci dëkk man lool la d'accordul quoi tu peux faire de temps en temps des trucs de même man je parle de rap média rap là mon quoi sama chaîne YouTube et rap kessé la ci dawal mais en parallèle sama TikTok ak sama IG ma ngi def lu xamné c'est mainstream dina laal ñu bëri et micro trottoir affaire yo xamné c'est plus divertissant et tout c'est raisonnable quoi lool ñep ñep ngui koy def voilà Pape Sidy Fall bi ngeen gis ni il parle de rap mais en même temps il fait de la politique tu vois donc chacun avec yo ce centre d'intérêt fi nga nek ak peut-être lenen lo xamné dang koy proposer pour élargir ta communauté et ton audience lool cela va de soi quoi mais nay revenir un petit rap bi quoi ñu xamné ay rappeur lañ duñu ay tasukat bugum confusion bob non momay def problème bo xamné mbalaxmani sax dañuy ñëmé sax rappeur yi ndax suñu légèreté rap bi amatul recherche amatul name dropping amatul rime amatul lo xamné rap liñu soxla ci rap lu yem gaay yo xamné da ngay déglu punch comme lima yag wax omzo dé da punch mo tok 6 mois après comprendre lu mu bëgg wax lool non la lool lañu nam vous voyez dip aussi dans tout ça dafa jël auteur de trop quoi il a trop pris d'auteur dip tek na ben bopam ben jj tout ça or que moromami ño fi nek di ki c'est la même catégorie top 5 bi la nga ka jox na la fele la jël sen papa do xoma lan affaire yoy yo la don waxal nga dem émission nga yarou waxo nga ne do ci dugat ni fegat na la ben laaj len gola buñ no sekato yo lañ wax lerr na nañ kon dip griya la grassouli kay neexal ko kay rabat même ñu président fifa 2 xoma loy def mais peut-être bo rabé di nga irrigati rabbi gaay wañi aspect comique bi humoristique bi ak aspect léger bi quoi aspect ngeewel bi ñu nekkat ci rabbi quoi sinon man limay ragal chaque fois buñu yagé rab dotu amati parce que boy ils sont en train de mettre beaucoup d'eau dans leur vin quoi comme dans le bisap rabbi ak d'ici quelques années rek day dé mention spéciale à Gunmore il a fait un très bon projet EPMB rap 100% la amul commercial amul dara lyricalement référence amna ñi liggé ba légui genre duma tirer sur tout le monde quoi il y a des gens xamné ils sont toujours rap le rap on peut bien le rendre commercial ça dépend juste de la façon dont on le fait donc si lool la terminé quoi vidéo bu mon mu tirer en longueur mais malheureusement il y avait trop de choses à dire vraiment c'était pas prévu aussi me tourner donc sama avis général ci situation clash bi c'est pas nak na def benen vidéo pour waxati affaire yi je vous invite ngeen dem xol yenen créateur de contenu xamna ngi wax ci rap bi nen leral bar yi affaire yo non gën jang ci et tout mais en gros man danger buñuy courir ci affaire clash yi ni la leni alerter vraiment quoi donc one dina répondre ou pas reste à voir donc le fait que ñu clash ni aussi l'aspect positif ça pousse les autres aussi à sortir gisna Ekil Sank annoncé na day guéné Ogi xomu Yigo Ogi xomu nu ko waxé day guéné ki bi projet bi Samba Posi day guéné aussi Mr Kesh aussi mention spéciale temps mo ngi ñew waaw gisna lool gisna critique yi dal na quoi soit mo ngi revenir la fait une bonne prestation ci langal mic bi single bu mu mujjé guéné Louay Rendi tapit gisna lool mo ngi baax kon boy ñu ngi liggéey di massa ozo flemme aussi ci report ou annulation concert bi diko wax ni mu job rek xam nga moy lool affaire day ñew mention spéciale à Calvin mo directeur vidéo bi à la prochaine et surtout n'oubliez pas de voter pour moi lien bas en dessous première ligne bi Bemex.
Oui, bah.